c'est chez moi. Allez, venez, on embarque pour une balade en Haute-Saône entre patrimoine et nature, très nature même. De la Saône aux mille étangs, chez moi, c'est bleu. Mais pas seulement. Vous allez voir. Au trot, au pas et même sur l'eau, la vie est partout. Un territoire à découvrir à son rythme et selon son bon plaisir. Plaisir justement, celui de contempler, de partager, de s'émouvoir. Celui de respirer aussi, comme ici, au sommet du ballon de Servance. Regardez, au loin, c'est la fameuse ligne bleue des Vosges. On change de monture, retour en plaine et un petit tour de pédale avec le pittoresque vélo-rail. Loisirs encore, mais aquatique cette fois. La Haute-Saône prend ses quartiers d'été. Plaisir et bien-être des quatre saisons. Le thermalisme. Nous sommes à Luxeuil-les-Bains, ambiance grand siècle et soins divins. De l'eau, toujours fraîche, vive, source de vie. Laissez-vous enchanter et passons au vert. Celui qui enserre l'étonnant tunnel fluvial de Saint-Albin. Celui qui fait écrin à la chapelle de Ronchamp, vaisseau de blanc et de lumière, tel était le rêve de Le Corbusier, joyau incontesté de l'art sacré contemporain. On pousse le curseur du temps de 15 siècles environ. Saint Colomban, l'Irlandais, fonde le monastère de Luxeuil-les-Bains. Le château de Gy poursuit notre prodigieux voyage dans le temps. Flamboyant gothique qui nous amène aux portes de la Renaissance, à Grès. L'histoire déroule ainsi son fil au détour des fontaines, des lavoirs et des villages. Certains même parmi les plus beaux de France. Ici, Pème. Les villes aussi dévoilent leurs secrets. Vesoul et ses hôtels particuliers, secrets de cour et d'arrière-cour. Secrets d'atelier à présent. Aux confins des Vosges saunoises se distillent de précieux savoir-faire de cristal et de verre depuis 1475. Nous sommes à Passavant-la-Rochère. À quelques kilomètres de là, Fougerolles, berceau du Kirsch. Vous avez rendez-vous avec l'éclat et les arômes de l'une des plus petites AOC de France. D'un verre à l'autre, nous voici à la vigne. Charsène, Gy ou encore Champlitte. Laissez-vous surprendre par le charme de nos vins. Des surprises donc, mais aussi des rencontres, des découvertes. Ici, une tradition montagnarde. Là, un savoir-faire d'autrefois. Les siècles se télescopent et les gens,
Le patrimoine, les paysages se conjuguent pour vous offrir des plaisirs toujours d'actualité. Alors, en pleine nature ou dans un cadre feutré, chez moi, tout simplement, prenez le temps de savourer l'instant. Et puis, vient le temps des fêtes et des grands festivals. Laissez-vous transporter par la magie du spectacle, l'émotion sans cesse renouvelée. Et si vous veniez partager avec nous ces authentiques pépites de bonheur ? Ici, c'est chez moi, et je vous y attends.